Hé hey, je peux vous aider? Oh merde! Un vieux terroriste! Quoi? Non, 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 non! Oh, je sens que ça va me plaire de bien en accélérer. Eh bien bonjour à tous, chers amis, ici Nécros, le seul, l'unique, et bienvenue dans notre toute nouvelle aventure, encore une fois, sur Infamous Second Son, ou Infamous SS pour les intimes. Ça faisait longtemps que je vous l'avais promis sur cette chaîne, chers amis, ça faisait longtemps que certains d'entre vous l'attendaient, le voilà, enfin. On est prêt, on est paré, on va pouvoir s'y mettre. Je vais pas parler trop longtemps avant de lancer le jeu. En fait, je vais vous expliquer deux ou trois petites choses. Notamment le fait que pendant la toute première séquence du jeu, qui dure un bon quart d'heure, je dirais, je vais volontairement pas parler, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même plusieurs cinématiques qui suivent et beaucoup de dialogues qui sont quand même assez intéressants pour la suite de l'aventure. Donc je vais vous laisser profiter de tout ça, sachant qu'en plus il y a une BO qui est des plus agréables possibles, qui me plaît énormément. Donc voilà, je vais aussi en profiter pour redécouvrir un petit peu le début de ce jeu. Et puis bah écoutez, on se dit à tout de suite, chers amis, et je vous laisse profiter de la première cinématique. C'est parti. Il y a 7 ans, un petit groupe d'individus appelés porteurs a spontanément acquis le pouvoir de maîtriser certains éléments naturels, les transformant en armes. Le département des unités de protection a été créé pour traquer et enfermer tous les porteurs, reclassés comme bioterroristes de façon permanente, afin de protéger la population. On pense désormais que tous les bioterroristes ont été capturés et enfermés. Le rôle du département des unités de protection est donc terminé et c'est l'armée qui va prendre en charge les détenus bioterroristes. Aujourd'hui, le premier convoi militaire de bioterroristes quitte le centre de détention de Curden Key pour rejoindre une prison militaire du nord de l'état de Washington. Il n'arrivera jamais à destination. Je galère, j'y arrive pas. Autant pour moi, ça va le faire. C'est le petit didacticiel en fait pour les tags qu'on va pouvoir voir un petit peu assez souvent dans le... Un petit peu assez souvent, voilà, c'est très français ce que je viens de dire.
dans le jeu de base. Bref, je finis ce truc là. Et en fait, tout se joue à la détection de mouvement. Donc c'est assez galère en réalité. Ça, c'est pas très bien foutu là pour le coup. On va y arriver. Avec cette bande son qui est juste sublime. Je vous laisse apprécier, chers amis. Hey, si l'art est un crime, tu peux toujours... Merde. Ok, mon petit Delsin, réfléchis. Ah, la teuf à la grande maison. Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Eh mais je suis un vrai génie du crime. Ok. Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là ? C'est juste moi, Betty. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse, sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe, ça te va trop bien, vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit, hein? Rien, mais... Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors... Tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière fois. La dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. C'est pas possible qu'il y ait rien de mieux à faire. Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Allez à la grande maison et montez un alibi. Ah, putain de mouette. On est presque. J'avais quel âge quand j'ai tagué ça? Ah, ah! Casse-toi! C'est pas passé loin. Regarde pas en bas. Bon plan, ça marche toujours. Hey, salut.
Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Eh ben peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et non, encore. Non mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers? Avec tes actes de vandalisme? Écoute vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon tu don un truc... Tu essaies d'exploiter ton talent, bordel, mais de quoi mais est-ce que tu fais tout le temps ça? Non, explique-toi. Pourquoi tu me laisses allez, pas vas-y, dis-moi de quelle horrible si tu m'écoutais deux secondes, je pourrais t'expliquer. Ah ouais, parce que là j'y comprends rien. Reggie. Quoi? Regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser! Ne pas s'approcher du truc qui explose. Pigé. Vache, mec! Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Hé, hey, ça va? Merde, un flic. Hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le! Et gardez les mains bien en vue! Je veux faire de mal à personne! Je veux juste foutre le corps avant qu'elle rapplique! Je vous ai dit de le lâcher! Sinon, je vais tirer! Reg? Oh merde, non! J'ai dit que je voulais faire de mal à personne! Reg? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve Reggie. Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai! Non! Stop, stop, stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas. J'y crois pas. Il faut que ça s'arrête. Reg, Reg, faut vraiment que tu m'aides, là. Non, je vais devoir passer par là. Qu'est-ce qui se passe? Reg! Reg, tu vas bien? Delsin, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais, ouais, ok, c'est bon. Aide-moi, aide-moi à pousser! Putain, toi aussi. Non, non, non! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas. Reggie, ça s'arrête ça va, pas! Tout va bien. Ça va aller. Allez, respire. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non, non. Non. Tu es mon frère. Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Ok. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste. On doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord, d'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord? Ouais. Allez. Ça va? Ouais. On y va. Mais jure-moi de plus faire tes tours de passe-passe, ok? Mais j'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Je ne veux pas que tu penses que ce qui t'arrive est une bonne chose. Ok? Parce que c'est pas le cas. Shérif! On peut pas entrer! Le bouton est pété! Je crois que Betty y est encore. Eh merde! Le loquet a fondu! C'est fermé. Comment ils ont pu passer?
Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Delphine est devenu un bioterroriste. Mais non, il est pas... Et merde. Dès que la tribu sera au courant pour toi, ils vont paniquer. Ouais, vas-y. Disperse la foule. Ok, je vais revenir avec de l'aide. Va voir si Betty est coincée avec le bioterroriste. Et fais attention. Personne ne sait de quoi ces tarés sont capables. Ouais. Ces tarés. Les conduits. C'est bon à savoir. Sacrant ! Waouh, ça, ça doit faire mal. Betty ! Où t'es planqué, Betty ? Je veux pas gâcher la surprise. J'y suis presque, Betty! Il faut que vous sortiez, madame. Ne vous approchez pas de moi. C'est juste de vous aider, madame. Ne vous approchez pas. Stop! Delphine! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça! T'es un porteur? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici, maintenant! Moi, je me casse! Pas avant de m'avoir débarrassé de ça! J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs... Merde! Plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Et ouais, ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui... Elle aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Hé, attends, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non, t'iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire, d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Tu ne bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer! Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler! J'ai pas le temps! J'ai le DUP aux fesses! Et elle sait que je connais son plan! Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion! Faut que je m'arrache, moi! Je retournerai pas en tôle! Écoute, mon vieux, ceux qui vont débarquer viennent pour toi, sûrement pas pour moi. On t'a vu, gamin. Les gens sont au courant. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Oh,
Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, attendez, on peut en discuter. Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde, hein? Surtout vous, les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes, et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais ce que je pige pas, c'est que vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous le répète à mon tour. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête. Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? Et nous voici donc face à notre premier choix karmique, parmi tant d'autres dans le jeu. Donc l'idée est la même hein, que dans les deux premiers opus, hein, donc bien entendu pour ceux qui se demandent, je vais faire ce playthrough exactement de la même façon que j'ai fait sur les deux premiers, c'est-à-dire que je vais vous montrer les deux côtés, le côté bon et le côté mauvais. Une chose intéressante en fait dans cet opus, c'est que lorsqu'on reste appuyé sur la touche L2 ou R2, là vous voyez, pour choisir son camp, ça peut nous donner certaines indications qui vont nous permettre de faire notre choix. Par exemple, si je choisis de faire le bien, ça me dit « Risquez votre liberté pour protéger Betty » et « Le premier pas vers le statut de héros ». Et en fait, on peut revenir en arrière et choisir un autre choix. Donc là, il suffit juste voilà, de regarder ce que ça dit. « Mettre les autres en danger afin de vous protéger » est le premier pas vers le statut d'infâme.
Donc, pour cette session, on va se le faire en héros, parce que nous sommes des héros et c'est ça qui est bon. Et de toute manière, vous inquiétez pas, je vous montre le deuxième choix dès le deuxième épisode, je pense que je vais faire comme ça. Et après, on refera comme j'avais fait dans les deux premiers opus, comme j'ai dit. Si jamais vous ne l'avez pas vu, que vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite malgré tout à regarder mes deux premiers playthroughs sur Infamous 1 et 2. Qui sont un peu vieux certes sur ma chaîne désormais point de vue commentaire, mais qui sont plutôt intéressants. Donc voilà, toujours est-il que on va se livrer au DUP pour sauver les autres, parce que c'est ça être un héros. Je suis un porteur. Quoi? Je vous dis que je suis un porteur, d'accord? Je viens de me choper il y a deux secondes avec ce type. Oh, tu l'as chopé. Très drôle. Ah, oh, Delcy. Alors, Betty, vous pourrez peut-être me répondre, vous. Oui, il paraît que ça fait mal. Comme on dit, vous êtes engagé sur la voie des héros. Les BA feront les bonnes actions, feront grimper votre statut de héros. Tout simplement. Donc ça marche exactement de la même façon. Donc on se réveille. On ne sait pas combien de temps après cette situation. On a pu rencontrer la fameuse... C'est quoi ce bordel ? La fameuse Rukin. Alors que le DUP occupe Seattle depuis maintenant plus d'une semaine, il n'y a toujours aucun signe... Ils ont transformé la grande maison en hôpital ? Donc voilà, la grande maison qui servait de... De lieu pour rejoindre les Akomish pour manger un bout et faire la fête. Ils ont transformé ça en hôpital, donc on peut se douter que c'était un petit peu la merde pendant qu'on dormait. Donc ici on a une vue un petit peu horrible sur ce qui s'est passé. Hey Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme j'ai dit, il y a beaucoup de dialogues et beaucoup de blabla dans cette première partie du jeu. C'est pour ça que je vais pas beaucoup parler. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça? Elle a blessé combien de personnes? Donc en fait, cette fameuse Rukin, donc la méchante dont j'ai complètement oublié le nom, je dois bien l'avouer. Elle a un pouvoir, donc c'est une bioterroriste. Personne n'a pu l'arrêter. Ou un porteur, hein, comme on les appelle depuis le premier opus. Mais maintenant, ils sont déclarés comme étant des bioterroristes, étant donné que ce ne sont pas des êtres humains normaux, qu'ils ont des pouvoirs et tout ça. Et après les événements du deuxième opus d'Infamous, en fait, Betty, c'est arrivé comme ça. De toute manière, vous inquiétez pas, on en apprendra un peu plus au fur et à mesure du temps. Toujours est-il que... Oh, c'est pas vrai. Betty. Ah, Delcine. Tu es réveillée. C'est Augustine qui t'a fait ça, alors? Oui, qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais te dénoncer à cette peau de vache. Et puis, sur le coup, j'ai eu l'impression que c'était la mode chez les jeunes de se faire percer les jambes. Alors ça veut dire que tout le monde... On est des Akomish. On se protège les uns les autres. Rassure-toi, personne ici ne t'en veut pour ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta faute. Et... Tu n'as pas à avoir honte de ce que tu es. Tu n'y peux rien. Tu es né comme ça. Tout ce qui compte... C'est que je suis l'un d'entre eux, maintenant. Tu n'es pas... l'un d'entre eux. Ces bioterroristes hagards qui tuent sans le moindre discernement. Hein? Tu es un bon garçon.
Il se trouve juste que tu as de la fumée qui te sort des doigts. C'est à cause de la fumée qui sort de mes doigts qu'on est dans ce pétrin. Ne te mets pas à penser comme ça. Si c'est pour t'entendre jouer les rabat-joie, je préfère encore me rendormir. Il faut que je me repose pour reprendre des forces et me remettre sur pied. Je peux me détendre maintenant que tu es réveillé. Et ne t'inquiète pas, je vais m'en remettre. Vraiment. Tu verras. Oh merde, Delsin. Oh. Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... talents. À ce propos, ce truc de dingue avec... tes mains... ça a disparu ou pas? J'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Hé, hey, Delsin, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Et ils ont dit que... ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, pas si vite, attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Arrête, Dieu, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delsin, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... qu'on n'a même pas besoin d'Augustine? Juste de son pouvoir? Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up? T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs... On peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... tu sais, nous descende. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y a 500 000 de personnes à Seattle qui se réjouissent pas d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Non mais je suis pas comme ces types, compris? Oh, ok. Mon but, c'est pas de foutre le bordel, mais de sauver des vies. Tu vois, je vais me la jouer à la Superman. Ouais. Soigner des gens... Hey, le héros, tu crois qu'ils vont se jeter à tes pieds? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas, Adèle, ok? On va tout t'arranger. On va te soigner. Me soigner? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais. C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés. Oh! Merde. La vache. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied. À pied? Hein? Où est-ce que tu vas? Hé!
Sans déconner. Regarde un peu ça. Écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Tu rigoles. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Bien. Alors du coup, je vais juste faire une petite pause, en fait. Et du coup, j'ai pris la décision, je vais vous montrer le côté evil de cette cinématique, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même deux ou trois choses qui changent. Bon, après, sur ce qui va en face, il n'y a rien de bien différent. Donc bref, on se rejoint juste ici, tout de suite après, en méchant. Voilà, comme j'ai l'habitude de faire dans mes premiers opus. Je vous dis à tout de suite, chers amis. Alors vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. J'espère que vous n'êtes pas aussi buté, n'est-ce pas, Betty? Oui, il paraît que ça fait mal. Ce bordel. Oh, c'est pas vrai. Betty! Je suis contente de te voir debout. Augustine n'est pas du genre à rigoler. Hein. Eh bien, personne ici n'a l'aide de trahir pour se protéger. On est des Akomish, on protège les nôtres. Ouais. Je suppose que j'ai fait le bon choix. T'imagines ce que cette poufiasse aurait fait si j'avais parlé? Sûrement ce qu'elle a fait à tous ceux qui étaient ici, quand toi tu n'as rien dit, Delsine. Rends-moi service. Dis à tout le monde que... Je les remercie de m'avoir couvert comme ils l'ont fait. Ok. Oh merde, Delsine. Oh. Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Sans déconner. Regarde un peu ça. Écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Tu rigoles. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Et de retour donc ici, chers amis, comme je vous l'ai promis. Je vous ai montré un petit peu donc la séquence que vous avez vue, pardon, j'ai du mal à parler. La séquence que vous venez de voir avec Betty, en fait, c'est tout ce qui change littéralement pour l'instant dans cette première cinématique.
En termes de karma, voilà, en termes de choix karmique. Bien entendu, il y aura d'autres répercussions un petit peu plus tard dans le jeu. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, je vous montrerai tout ça. Pour info, pour ceux qui se le demandent encore, oui, j'ai déjà fini le jeu plusieurs fois, hein, bien entendu. J'ai pas mal de choses à dire sur ce jeu et sur son background, son histoire et tout ça. Toujours est-il qu'on va avancer un peu, comme ça, on va pouvoir découvrir deux ou trois petites choses. On se croirait en trip sous acide à Vegas. Notamment tout ce bordel qu'il y a eu. En fait, ceci était un barrage créé par le DUP. Je me demande si je peux le faire de plusieurs couleurs. Et donc, on peut voir voilà, ces espèces de rayons multicolores. Enfin, pas tellement multicolores, plus violet-rose qu'autre chose. Qui sont un peu partout. On va apprendre, bien entendu. Ouais, on dirait que c'est là que ça se passe. Un peu plus tard, de quoi s'agit-il ? Putain, Delsin ! Hé, est-ce que ça va ? Tes barges ? Ça va plus que bien, ouais ! Je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Et donc un peu comme... Ouais, c'est nouveau. Je vais laisser les cinématiques passer. C'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delsin, c'est tout sauf mieux, ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà. Pas d'en rajouter. Quoi, tu crois qu'Augustine nous attend sagement sans rien faire? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la reine de béton. Hey, j'espère bien éviter ça, figure-toi. Écoute, il y a peut-être un autre moyen pour choper Augustine. Quel autre moyen, hein? Quel autre moyen? Écoute-moi, j'ai quelques bons contacts à Seattle, tu vois. Et j'en ai même certains dans la police. Non, c'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. Quoi? C'est pas un problème qui te concerne. C'est mon problème. Théo, y a quelqu'un? Vous m'entendez? Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un? Va sauver la demoiselle en détresse. Il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Ok, d'accord. On y va tous les deux. Ah, non. Je va donc jouer au super flic, tu veux? T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas d'ici. Et je t'en supplie, surtout, ne touche à rien. Je compte bien toucher à tout. À tout. Ah ouais. À toi l'honneur, petit. Donc comme je disais, un petit peu comme dans le premier Infamous, à l'instar des sous-stations de métro, rappelez-vous, lorsqu'on on réactivait une sous-station de métro, on avait un nouveau pouvoir. J'ai eu du mal avec ce verbe. On avait un nouveau pouvoir donc, et là c'est le même principe en fait. On va avoir plusieurs fois dans le jeu des boîtes de ce style-là qui vont nous permettre d'acquérir de nouveaux pouvoirs, de nouvelles formes de pouvoir tout du moins. Et donc en fait on peut drainer le fragment, car ceci est un fragment, hein. Rappelez-vous ce que c'est qu'un fragment dans les anciens, dans les précédents opus. D'accord, ouais, je pourrais carrément m'habituer à ce truc-là. Et donc le but pour l'instant, c'est d'en récolter... Hey, j'avais pas fini avec ça. Il suffit peut-être que je fasse le plein de fumée. Exactement. Et le seul principe... Je suis prêt. La jauge de fumée, donc elle indique votre niveau d'énergie de fumigène pour l'embrayer, drainer les cheminées, les décomptes de voitures ou toute autre source de fumée. Alors c'est pas autant dans les premières Infamous, ça considérait aussi comme étant notre barre de vie. Ah ouais, là ça, c'est ça doit le faire. Plus vraiment le cas en fait. Quand on sera en ville, je vais devoir faire gaffe à ces bestioles, il y en a peut-être d'autres. Et donc si vous entendez un petit écho, en fait, c'est tout à fait normal, parce que sur PS4, en fait, lorsque je draine un fragment comme ça, il y a du son qui ressort de la manette. Donc c'est plutôt sympa, hein. Je vous laisse écouter. Voilà. Je sais pas si vous avez bien entendu, mais bon. Ok, donc 3 fragments collectés sur 4, on va collecter le 4e et on pourra donc avancer. Je vais me repayer une séance de chatouille. Voilà. Hey, Delsin, j'ai besoin de toi par ici. Hé, hey vieux, tu croiras jamais d'où venait le bip. Ramène plutôt tes fesses, ok? J'ai trouvé un bus plein de bénévoles et il est coincé. Voilà, donc on a récolté 4 fragments. Les fragments, on va en récolter plein durant l'aventure. Il y en a un peu partout, vous voyez. Généralement, ils sont sur ces petits robots qui sont là. En fait, ça, ce sont des robots, des drones. Voilà, des drones qui sont envoyés par le DUP pour pouvoir observer... J'aimerais ce les convaincre de laisser tomber le bus, mais ils veulent pas abandonner le matos médical qui est à bord. Bon, dis-leur de s'accrocher.
T'es décoincé le bus. Delsin, je sais à quoi tu penses, et c'est non. Eh, hey, je viens de descendre une flotte de quadcoptères. C'est pas un bus qui va me faire peur. Ça va prendre des plombes. Il y a sûrement un moyen plus rapide. Voilà, donc nouvelles améliorations disponibles. Appuyez sur option pour accéder à l'écran d'amélioration des pouvoirs. Et donc, on a cet écran-là. Qui est, sur le moment, on se dit que c'est un peu bordélique, ça part dans tous les sens, machin, mais au final, ça se... vous allez vite comprendre qu'on se repère très facilement dans ce menu. Donc du coup, on a déjà quelques-unes des améliorations qui sont débloquées, en fait. Comparé aux autres opus, il y a toutes les améliorations qu'on peut voir, qui... enfin, toutes les améliorations qu'on va pouvoir débloquer, qui seront disponibles en fait sur l'écran d'amélioration. Donc on va pouvoir voir à l'avance quel genre d'amélioration on va pouvoir acheter en quelque sorte. Donc avec les fragments, hein, notamment. Et donc voilà, donc là pour l'instant celle qui nous intéresse c'est celle-ci. L'explosion de cendres. Donc maintenez enfoncé R2 pour charger puis tirer un puissant rayon de fumée, pardon, et de braise. Idéal pour détruire l'équipement et les véhicules ennemis. Cette attaque déraine néanmoins rapidement votre énergie fumigène. Et pour ça, voilà, on a utilisé 4 fragments. Les 4 fragments qu'on a récupérés juste avant. Et donc là, il y a encore 2 niveaux d'amélioration, comme vous pouvez le voir. Il y a des petites barres qui sont à remplir. Pareil pour celle-ci, par exemple. Si je prends l'amélioration suivante, ça me fait utiliser 25% d'énergie fumigène en moins. Et vous voyez qu'il y en a certaines qui ont beaucoup plus d'amélioration. Celle-ci qui va me permettre d'augmenter ma capacité d'énergie. Donc c'est une des premières améliorations des plus importantes qui soient. Parce que bien entendu, vous allez vite voir que ça part très très vite. Notamment avec cette attaque. Rien ne peut plus m'arrêter ! Delsin, je t'ai dit de ne pas... Ah, désolé Reg, je t'entends pas. Je suis un héros très bruyant. Vous voyez, je l'ai fait 3 fois, ça m'a déjà bouffé la moitié de Delsin, ma barre d'énergie. Donc... Oups, ça a coupé. Ces petits boutons et mes gros doigts... Un truc très simple aussi pour drainer de l'énergie facilement. Voilà. L'avantage c'est que là, dans cet opus là, donc c'est notre pouvoir c'est donc la fumée. La fumée, ben au final, il y en a partout. Il suffit de faire exploser des trucs et on a de la fumée qui peuvent nous permettre, pardon. J'ai du mal à parler, de régénérer notre barre d'énergie. Et donc là okay, le but. On dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer ce truc dans Seattle. C'est de faire en sorte que le bus puisse passer, voilà, tout simplement. Allez, Reggie, ouvre, on y va. Oh, dites-moi que je rêve. Delsin, on a un problème. Il y a des gens dans le bus qui t'ont vu utiliser tes super-pouvoirs pour dégager la route. Et ils ont peur de toi. Quoi ? Écoute, je t'avais prévenu. Les bioterroristes ne sont pas vraiment populaires. Alors quoi ? Je suis Rosa Parks maintenant ? Ils veulent quoi ? Que j'aille m'asseoir à l'arrière du bus ? Non, ils veulent que tu restes à l'extérieur du bus. Ils veulent pas de toi, pigé. Ils ont dit que si tu montais, ils descendraient. Moi, je m'en fous, ils ont qu'à marcher. Tu crois peut-être que cette porte peut m'arrêter ? Je t'interdis de faire ça. Ces gens n'avaient encore jamais vu un truc pareil et ils ont peur, compris ? Alors je peux pas leur en vouloir. Il a dit qu'il allait défoncer la porte, démarrer ! Monsieur, je vous demande juste une seconde. Bon, je vais leur faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foulée, d'accord ? Il y en a pour 5 minutes. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. 5 minutes. Écoute-moi, allume le suivi GPS sur ton téléphone, juste au cas où on soit séparés. Ah, tu veux dire maintenant ? Et donc là, vous voyez, on est dans un monde où les bioterroristes, enfin les porteurs, existent dans ce monde. Ça se passe 7 ans après les événements des 2 premiers opus. Et les gens ont clairement peur des porteurs, tout simplement. Et donc là, on voit encore des nouvelles choses étranges, juste ici. Bien entendu, ceux qui ne connaissent pas le jeu Votre attention. Vont apprendre très vite la de quoi il s'agit. Du pont
220 par ordre du DUP est maintenant imminente. Toutes les personnes et tous les véhicules... Ouais, c'est une info qui peut servir. Yacine, j'ai fait traverser les bénévoles. Le DUP. Nettoyer le pont. On va venir te chercher, alors. Reggie, t'es là? Qu'est-ce qui se passe, là? Allô? Hé, je peux vous aider? Oh merde! Un bioterroriste! Hé, il y a un de ces monstres juste là! Quoi? Non! Oh, je sens que ça va me plaire de guérir en accéléré. Et on est parti. Donc là, vu qu'on joue en... C'était pas la meilleure idée. En mauvais, bien entendu, chers amis. On n'a pas à se soucier de la vie de ces malfrats. Par contre, vous voyez que ma barre d'énergie descend quand même assez vite. Il faut vraiment y faire attention. Alors, une chose importante à savoir, en fait, le jeu, je l'ai mis en expert. Qui est la difficulté la plus hard. Ça va, c'est bon, j'abandonne. Lâche-moi. Donc là, on a affaire à un deuxième choix karmique. Hein. Le pilleur essaie de se rendre, appuyer sur triangle pour le maîtriser et gagner du karma bénéfique, ou sur carré pour l'exécuter et gagner du karma maléfique. Ah, oubliez le mot magique. Zblème. Et donc, je disais que voilà, j'ai le jeu en difficulté expert. Pour la simple et bonne raison, en fait, que vous allez vite vous en rendre compte, le jeu est extrêmement simple et c'est un de mes premiers coups de gueule, en fait. On va dire que le jeu est vraiment facile. Je pense qu'ils ont voulu adapter le gameplay, malgré le fait qu'il soit extrêmement jouissif, ils ont voulu adapter le gameplay aux joueurs un petit peu lambda qui ne connaissaient pas la saga. C'est pas méchant, hein, dit comme ça, faut pas le prendre méchamment, c'est juste que bon, c'est un peu décevant quand on commence le jeu en difficulté normale. C'est vraiment, vraiment simple. Et honnêtement, même en expert, sans connaître le jeu est simple, quoi. Enfin bon, bref, on en reparlera. La mise en service du pont 520 par ordre du DUP est maintenant imminente. Ceci était le dernier avertissement. Oh, ça va bien, là. Reggie ! Allez, réponds ! Oh putain. Ça, c'était un pont. Et donc c'est là qu'on se rend compte un petit peu de toute la puissance de cette fameuse Augustine. Car oui, c'est bien elle qui a fait ça, qui a foutu ce carnage monumental. Enfin bon, on doit rejoindre Rage, qui est notre frère, je vous le rappelle. Qui est un flic, hein, celui en passant, mais ça vous l'aurez compris. Et donc voilà, ce genre de boîte là. Allez, le relais de noyau, fais-moi rêver. C'est un relais de noyau, exactement. Donc en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'on acquiert énormément de pouvoirs très rapidement, en fait, pour le début du jeu. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup. En fait, ça, c'est un gros point positif de ce jeu, c'est qu'il y a énormément de pouvoirs différents comparés aux premiers opus, et ça n'est pas okay, le cosmos, pour nous déplaire. Et ça, c'est très très cool, le fait de pouvoir se propulser depuis c'est les bon, voitures. C'est bon, tranquille. Le gameplay est vraiment jouissif, hein, dans ce jeu. Là-dessus, il y a aucun doute possible, il n'y a aucun souci. Ça, c'est vraiment un jeu que j'ai surkiffé à faire. Il y a 2-3 petits défauts que je n'hésiterai pas à donner durant l'avancée de cette aventure. Mais en dehors de ça, je ne regretterai quand même jamais mon achat.
Donc vous voyez, encore un nouveau pouvoir. Je vous dis, ça va très très vite en fait. Dès le début du jeu, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc là pour l'instant, c'est les pouvoirs qu'on connaissait déjà dans le premier ou le deuxième opus hein, d'ailleurs. C'est pas trop le moment, Betty. Tu es parti sans me laisser le temps de finir la discussion. Ouais, mais bon, tu vois, j'ai une vie. J'ai entendu dire que Reggie et toi étiez en route pour Seattle. Tu peux m'expliquer? Faut vraiment que je... On bouge plus! J'ai peut-être été un peu vite, du coup la communication a été coupée. Et donc oui, ce que je disais, pareil, quand le téléphone sonne, en fait, ça sonne sur la manette. Donc si vous ne l'entendez pas, je peux rien faire pour vous. Bon, Delphine, t'es presque au bout. Effectuer une charge fumigène, puis l'éviter en maintenant X enfoncé pour franchir les brèches importantes. Vous voyez que c'est très grand, en fait. Il suffit juste de faire ça, un petit dash en avant, et on vole. Et je vous dis, le gameplay est très très simple. La prise en main est vraiment, vraiment bonne. Franchement, c'est vraiment jouissif pour ce genre de séquence là, vous voyez. Je dois avouer que ça tape la classe quand même. Le gameplay est très nerveux en fait, donc c'est vraiment quelque chose. Il va falloir s'habituer, oui. Je sais pas si j'étais censé monter là-haut, mais... C'est la première fois que je monte ici, en fait, pour être sincère. Bref, allez, on avance. J'aurais bien essayé d'arriver à Seattle avant la fin de cet épisode. C'est le bordel, il y a tout qui est en train de s'écrouler. Putain, le bus ! Reggie ! Reggie ! Encore ton mauvais bras, hein. Delphine ? Ouais, j'arrête. Allez. C'est bon. Merci du coup de main. Regarde ça. Ah. Tu commences vraiment à maîtriser tes nouveaux symptômes. Ouais. Bon, le seul inconvénient à tout ça, c'est que... Non. Je vois pas d'inconvénient. C'est vraiment énorme. Ah ouais? T'es sûr de ça? Et ces types armés jusqu'aux dents là-bas qui veulent te faire passer un sale quart d'heure? C'est pas un inconvénient? Ouais? Écoute, si ça se trouve, on arrivera à te faire passer la sécurité. Parce que t'es pas un bioterroriste ordinaire, si tu veux. Ordinaire? Non. Si pas ordinaire, tu parles des moutons qu'ils essaient de ramasser pour leur faire passer les tests, alors non, Reggie, je suis pas ordinaire. Mais t'as vu ce que j'ai fait sur le pont? Ils me font pas peur. Écoute, on va d'abord essayer de te faire passer les postes de contrôle sans que tu te fasses griller. Ce serait beaucoup plus simple pour se déplacer en ville. Ok, d'accord. On fait ça à ta façon. On la joue subtile. Écoute-moi bien. Tu dois me promettre que tu vas la jouer cool. Même mes ennemis m'appellent Monsieur Cool. Personne ne t'a jamais appelé comme ça. Jamais. Est-ce que ça t'inquiète vraiment? Écoute, les pouvoirs de ces gars du DUP sont pas aussi puissants que les tiens. Enfin, que ceux des bioterroristes naturels. Mais avec ce que le gouvernement leur a mis dans les veines, ils ont de quoi faire des dégâts. Ok, c'est officiel. Tu viens de pourrir mes belles vacances à Seattle. Donc voilà, on vient d'apprendre qu'en fait, les gardes du DUP ont eux aussi des pouvoirs qui ne sont pas naturels du tout. Hein. Vous voyez, ils se sont fait injecter les choses... Donc ça risque de compliquer un petit peu le délire. T'as dit que j'étais KO combien de temps? Une semaine. Wow, ça veut dire que le DUP a organisé cette petite fête en... Ouais. Ils ont pas chômé. Et donc, juste pour info, en fait, si à ce moment-là du jeu, on était du côté bon, en fait, il y a absolument rien qui change. Il y a vraiment, c'est vraiment subtil, en fait, notamment sur le fait du timbre de la voix de Delphine. Les réactions aussi de son frère,
dont j'ai déjà oublié le nom, mais c'est pas grave. Reggie, voilà. Enfin bref, voilà, toujours est-il que jusque-là, ça ne change absolument rien. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous n'allez rien manquer. Quand on sera passé, je demanderai à mes potes flics de me donner accès aux bases de données de la police. Étant donné... Fais-toi discret. Étant donné que je connais bien le jeu maintenant... Faire la tronche, si je me pointe avec un bioterroriste. Je vais pouvoir... monsieur le patron. Vous allez vous taire, deux secondes. Je vais pouvoir donc vous montrer absolument tout ce qu'il y a d'intéressant à voir en termes de différence niveau karmique. Enfin, bref, toujours est-il qu'on doit passer donc le test de... Le sas de sécurité du DUP. Cette arme est enregistrée. Je suis officier de police. Bien sûr. Pareil. Pas le droit de monter dans son bus, ni de rencontrer ses potes. Delsine, cours! Mais merde, à la fin! Faut pas garder Delsine, ce truc-là reste pour bien ça. À couvert! Ne me dis pas comment me battre! Bien entendu, vu que je suis en expert, je perds ma vie beaucoup plus rapidement. Mais ça va pas être un trop gros problème normalement. Ce que je comprends pas, c'est qu'ils me font des dégâts alors que je suis protégé. Là. De toute manière, notre vie se régénère. Voilà, très vite. Et c'est l'un des principaux défauts du jeu, en fait, j'ai envie de dire. Donc vous voyez qu'ils ont, voilà, ils ont des pouvoirs, les mecs. L'un des principaux défauts, c'est que, ben, du coup, notre vie se régénère très rapidement. Et du coup, ça rend le jeu beaucoup plus simple, pour le coup. Juste. Donc dès qu'on a cette petite bande son, de toute façon vous l'aurez compris. Là le problème c'est que j'ai plus d'énergie. Il y en a là. Ah, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Voilà. Donc les civils, hein, vous en doutez bien, dans cette partie là j'en ai absolument rien à carrer. Là, l'avantage de jeu aussi, un truc qui est vraiment cool, c'est de pouvoir absolument tout détruire. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Delsine, on a été séparés. Tout va bien ? Oui, ça va, t'inquiète. Je reste discret, comme tu as dit. Bon, reste discret. Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Donc voilà, dans le jeu, en fait, il y a énormément de structures qui sont destructibles. Et ça, je dois avouer que c'est quand même assez agréable. Bon, là, j'ai plus d'énergie. L'avantage en méchant, c'est que l'énergie, on peut la récupérer... d'une façon les plus dégueulasses qui soit. Ah bah, sauf que là ça va pas marcher. Bon, c'est que sur les ennemis a priori. Là je l'ai juste tatané la gueule sans aucune forme de respect. Ce que je peux faire par contre, si j'ai plus de pouvoir. Sauf que là c'est beaucoup trop long. Ah bah attends, je peux là. Voilà. Ah bah elle est déjà morte. Ok. Bien entendu, plus je fais de mauvaises actions, plus mon rang d'infâme augmente. Vous pouvez le voir en haut à gauche sur la petite barre rouge qui est en bas en fait. Bien entendu, comme d'habitude, quand on est en mode infâme, la barre monte beaucoup plus rapidement qu'en mode héros. Et ça, c'est quand même assez bien foutu, parce que bien entendu, c'est beaucoup plus difficile d'être un héros que d'être un méchant. Bref. Eh bah écoutez...
Je pense que pour ce premier épisode, on aura déjà fait pas mal. Donc, bien entendu, comme j'ai déjà dit 15 fois depuis le début de cet épisode, dans les épisodes prochains, on va continuer sous la forme que j'avais l'habitude d'exercer dans les deux premiers opus, c'est-à-dire que je vais faire l'épisode qui sera en deux parties. C'est-à-dire la première partie d'un côté et la deuxième partie de l'autre. Et on interchangera au fur et à mesure des épisodes. Comme ça, vous pourrez voir les deux côtés. Vous pourrez, tout en avançant dans le scénario, bien entendu, là, comme je viens de faire... à l'instant en fait, donc comme ça vous ne perdrez absolument rien, pas une seule miette de ce jeu. Et puis bah écoutez, moi chers amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Je vous remercie bien entendu d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas à me dire si cette aventure vous fout la hype la plus totale. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite, ciao ciao, et surtout portez-vous bien chers amis, c'est le plus important. Allez, bye bye.